Bonjour. Je suis Camille Griselin et j'aimerais vous proposer à travers cette petite vidéo une séance d'hypnose ludique pour les enfants qui leur permettra d'oser exprimer leurs émotions. Parce que vous savez, lorsqu'on est, on a quatre émotions qui sont innées. On a la joie, la colère, la peur et la tristesse. Et bien souvent, nous apprenons à refouler ces émotions. Et c'est ça qui nous rend malheureux, parce qu'on ne peut pas oser être qui on est et oser exprimer ce que l'on ressent. À travers la petite histoire que je vais leur raconter, ils vont pouvoir oser sortir ce qu'ils ressentent au fur et à mesure, plutôt que de laisser les gouttes s'accumuler et que tout explose à un moment donné. C'est pourquoi je vous propose de les installer devant cet écran et d'écouter cette histoire maintenant. Bonjour. J'aimerais te raconter l'histoire de Fanny. Fanny, c'est une petite fille qui habite à Paris. Elle est plutôt heureuse dans la vie. Mais voilà qu'un jour commença à lui arriver des soucis. Elle était dans la cour, en train de jouer elle trébucha dans le gravier. Elle se fit mal au genou, qui se mit à saigner. Et alors, la maman vint la chercher. Elle était en train de pleurer quand sa maman est arrivée. Et sa maman lui dit, Arrête de pleurer. Il faut être fort dans la famille des on ne dit pas. Oui, parce que je ne t'ai pas dit non plus, mais elle s'appelait Fanny on ne dit pas. On ne disait pas les choses dans cette famille-là. Il fallait être fort et courageux. Sa maman ne se plaignait jamais. Elle ne pleurait jamais. Alors, Fanny, ce jour-là, décida de mettre toute sa tristesse et sa douleur dans sa poche. Elle avait une jolie poche à sa robe. Et puis, quelques jours plus tard, elle avait passé une bonne journée à l'école. Elle s'allonge dans son lit pour se coucher, et quand sa maman éteint la lumière, elle voit le fauteuil de sa chambre se transformer en un monstre hideux, et elle se met à crier. Son père arrive et lui demande Mais qu'est-ce qui t'arrive Comme il a allumé la lumière, le monstre a disparu. Alors Fanny essaye d'expliquer à son papa. Il y avait un monstre juste là. Son papa lui dit Mais n'importe quoi, c'est ton imagination. Arrête d'avoir peur. Alors Fanny, qui n'a pas le droit d'avoir peur, décide de mettre sa peur dans sa deuxième poche. Sa robe commence à être un petit peu lourde, mais puisqu'elle n'a pas le droit de dire à son papa qu'elle a peur, eh bien elle la garde avec elle. Quelques jours plus tard, son petit frère lui casse sa poupée. Elle est en colère, elle va voir ses parents, et elle leur dit Regardez ce que mon petit frère a fait, il a cassé ma poupée. Et alors ses parents lui disent. Il est petit, il n'a pas fait exprès. Arrête d'être en colère, c'est mal d'être en colère. Tu es la grande, tu dois lui montrer l'exemple. Alors Fanny met sa colère dans sa poche. Décidément sa robe est de plus en plus lourde. Et puis, quelque temps plus tard, elle va voir son grand-père à l'hôpital, qui est malade. Elle passe un moment avec lui et il lui fait des guilies. Alors elle rigole. Et là, papa, maman et mamie lui disent en même temps Chut, c'est pas le moment de rire. Papy va peut-être mourir. Alors elle décide de mettre sa joie dans sa poche. Alors qu'au contraire, à ce moment-là, c'était exactement de joie dont son grand-père avait besoin. Il avait besoin qu'elle sourie, qu'elle soit son petit rayon de soleil. Alors, Fanny a dans ses poches de la tristesse, de la joie, de la colère et de la peur, et sa robe pèse de plus en plus lourd. Elle croit qu'elle doit garder tout ça pour elle. Mais, sur le chemin de l'école, elle rencontre une vieille dame, qui habillait tout en blanc, qui est drôlement jolie. Elle a de grands cheveux gris, et elle lui dit, dis donc ma petite, je vois que les poches de ta robe sont bien remplies. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Des cailloux? Non. J'ai mis ma colère, ma peur, ma tristesse et ma joie. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont là? Les émotions sont faites pour être exprimées, pour pouvoir sortir de toi et après s'envoler. Comme des oiseaux qui s'éloignent. Oui, mais mes parents m'ont dit que c'était pas bien, d'être en colère, d'avoir peur, d'être triste ou d'être trop joyeux quand les autres étaient tristes. Écoute, tes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais peut-être que eux aussi n'ont pas appris à quel point c'était important d'exprimer ce qu'on ressent. Alors, je t'invite à prendre tout ce qu'il y a dans ta poche, le laisser sortir et souffler dessus. Comme si un oiseau s'envolait comme si, tout à coup, tes peurs, tes tristesses, tes colères, et les joies que tu n'as pas pu exprimer pouvaient s'envoler et te libérer. À ce moment là, Fanny se sentit drôlement plus légère. Elle pouvait à présent presque voler quand elle marchait. Elle avait l'impression d'avoir des ailes aux pieds, tellement elle se sentait légère d'avoir pu dire ce qu'elle pensait. Alors peut-être que toi aussi tu pourrais sortir ce qu'il y a de tes poches, tu pourrais sortir ta tristesse, tes peurs, tes colères et tes joies, et souffler dessus pour qu'elles s'envole, pour qu'elles t'allègent, pour que tu te sentes aussi léger qu'une plume.